Je crois qu'il est temps de faire enfin cette vidéo setup. Désolé déjà d'avance si vous voyez des petits cheveux un peu partout, je viens de sortir chez le coiffeur. On s'en fout. Désolé aussi si je tremble un peu. Mon truc pour stabiliser, ça marche pas pour l'appareil photo, ça marche que pour mon téléphone, faut que j'achète un adaptateur. Ouais, la vidéo setup, ça fait 9 ans que je fais des vidéos et 9 ans qu'on me demande de la faire. Et pour tout vous dire, lors de la vidéo spéciale 9 ans, je vous avais dit, si la vidéo atteint 10 000 j'aime, je vous ferai la vidéo setup. 10 000 j'aime en une semaine. Franchement, je me disais, les 10 000 j'aime, jamais je les aurai en une semaine. Donc la vidéo setup, je pensais pas la faire. Et je crois qu'il y a eu 10 000 j'aime en moins d'une journée. Donc c'est pour ça que je suis là et un peu en retard, ça fait plus d'un mois que vous l'attendez. On est parti, on est parti. Donc là, je vous préviens, ici, c'est censé être une chambre normalement. Mais du coup, j'ai fait ma pièce à moi et là-bas, il y a le salon. Et mon lit est dans le salon avec le canapé et la télé. Voilà, comme ça, j'ai un grand salon qui fait chambre. Et il n'y aura pas la Wii U dans cette pièce parce que la Wii U est connectée à ma télé de chambre pour regarder Netflix. Voilà. Allez, viens, viens, on y va. Je vais te montrer tout ça. Je sais pas où il est le micro sur le truc. Je sais qu'il est pas terrible au niveau de la qualité. Et vous aurez, je vous montrerai le carton de l'appareil photo si vous voulez voir ce que c'est. Et je tiens à préciser que j'ai pas de sponsor. Donc la plupart des trucs, je les ai achetés moi-même. Juste quelques éditeurs et développeurs qui m'ont envoyé des collecteurs et diverses choses. Préparez-vous parce que ça risque d'être un peu long et même très chiant. Parce que je vais raconter quand même quelques anecdotes parce que je vais pas faire ça tous les jours. Donc là, il y a mon PC avec une 980 Ti, des SSD, un i7. Mais j'en dirai pas plus parce que je vais quand même garder quelques mystères. Tiens, je te le montre un peu. Voilà l'unité centrale. Et en fait, elle était trop petite parce que je voulais une petite tour. Et la 980 Ti, qui est une custom dedans, j'ai dû couper le châssis à l'intérieur pour qu'elle puisse rentrer avec des ventirades parce que j'ai pas de refroidissement liquide. Ici le câble pour mon micro. Est-ce que c'est net? Donc je vais pas filmer tout le temps ma tête. Ça c'est un pied. Oui c'est un pied, regarde, c'est un grand pied. À la base c'est pour les musiciens. Avec le Yeti et une bonnette qui est pas du tout pour ce micro. C'était pour un micro de chant que j'ai complètement élargi pour le poser dessus. Avant j'avais un pied pour micro Rode qui était stylé avec même un micro XLR avec des platines et plein de trucs. Sauf que j'avais des gros problèmes avec les platines. Je sais pas si c'était l'USB de ma carte mère qui posait ces problèmes ou les platines. J'avais le son qui se coupait, le son des fois qui saturait. Donc c'était un peu problématique quand je faisais des longues vidéos parce que moi je m'en rendais pas compte. Sauf si j'étais en live on me le disait dans le chat. Mais quand je faisais une vidéo moi je voyais pas forcément si ça marchait pas. Récupérer celui-ci qui marche très bien. Bon, on entend un peu les sons du clavier, mais d'ailleurs j'avais acheté un autre clavier mécanique tout petit qui était tout mignon, mais du coup les micros captaient trop le son. Je vais refilmer ma tête quelques secondes. Mes deux écrans, dont je vous mettrai pas les liens dans la description parce que celui-ci ça doit faire 4 ans que je l'ai. Il y en aura des meilleurs. C'est un BenQ. C'est un 24 pouces, une dalle TN, donc c'est une milliseconde de réponse et c'est un 120 Hz. Donc c'est vachement bien. Il y a beaucoup mieux maintenant, surtout que les couleurs de base sont vraiment pas terribles. Faut faire les réglages nous-mêmes, histoire d'avoir un truc un peu plus potable. Mais c'est vrai que j'aimerais bien changer, ça fait un an et demi que j'aimerais prendre un 27 pouces en dalle IPS et en 2K. J'aimerais bien un 2K, mais ça fait un an et demi que j'attends pour changer, j'ai toujours pas changé. Donc ça se trouve, dans un an et demi, j'aurai toujours le même. Ma télé Sony, tiens, regarde, attends, je vais cliquer comme ça. Voilà, comme ça tu vois mieux ma télé Sony. Ma télé Sony, ça fait un an que je l'ai, qui est super bien vraiment. J'ai regardé sur Amazon et en fait, elle est plus disponible, ce modèle n'est plus disponible. 1080p, des couleurs super belles. J'adore ma télé, elle est vraiment bien. Le petit message LG, si vous m'écoutez, j'ai vu que vous aviez des télés 4K OLED qui étaient vraiment stylées. Donc si vous en avez une en trop, vous me l'envoyez. Comme ça, celle-là, je la donne à mon papy et il pourra regarder Plus belle la vie en HD. Donc je vous propose, on fait un hashtag. Netto veut une télé OLED 4K pour donner sa Sony à son papy. Voilà, on fait un hashtag comme ça. Allez, on arrête les bêtises, on continue. Donc voici mes écouteurs. Certains me demandent pourquoi je porte pas de casque. Je remets ma tête pour expliquer. Les casques, j'en ai porté pendant tellement longtemps que l'arceau, maintenant, ça me fait vraiment super mal. Certains vont se dire, bah hey, t'as toujours une casquette. Mais la casquette, elle me fait pas mal. Attends, je vais m'asseoir. Des écouteurs, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tactile annulé, je m'en fous. Des écouteurs tout simples, Skull machin, je sais plus quoi. Le Astro, où j'ai branché mon ordinateur, ma console. Comme ça, je peux switcher le son. Tapis de souris style série, ça fait plusieurs années que je l'ai. Comme le clavier, ça doit faire 4-5 ans. La souris, c'était Asdin qui me l'avait conseillé. C'est une Taipan. Il m'avait dit, vas-y, prends-la, elle est super bien. C'est vrai qu'elle est bien. Et pour ceux qui regardent les vidéos... Attends, regarde. Hop. Regarde le focus. Voilà. Voilà où les poils de chat y vont et ça m'empêche des fois de tirer. Non, elle est super bien. Il me l'a conseillé. Il m'a fait, vas-y, prends-la, elle est super bien parce qu'il l'avait. Et quelques semaines après, il en avait acheté une nouvelle. Il me faisait, ouais, en fait, elle est beaucoup mieux. Donc, merci à ce dingue. Ça, c'est Delphine qui me l'avait acheté pour mon anniversaire. Ça sert pas à grand chose, mais c'est pas mal. Regarde, ça tient ton câble. Donc, c'est pas un élément indispensable. Mais merci, Delphine. Donc, ça, c'est mon écran. Comme vous le voyez, j'étais en train de continuer mon montage. Il m'en reste pas mal à regarder. Ah ouais, depuis tout à l'heure, tu dois voir ça. Regarde. Yeah, c'est mon beau-père, il m'a acheté ça à Noël. Il s'est dit, ça va faire bien sans son bureau. Regarde,
Et ça, regarde, c'était ma mère qui me l'avait acheté. Elle m'a fait, qu'est-ce que tu veux? Parce que les cadeaux, on sait jamais quoi offrir. Et je lui ai fait, je veux un petit avion. Je trouve ça stylé sur un bureau. Et regarde, ça fait stylé un petit avion. Donc ma webcam, c'est une Logitech 930, je crois. Un truc dans le genre que j'utilise bah, pour les lives et pour les vidéos. Ça, regarde, c'est une télécommande que j'utilise pour ma télé. Oui, je sais, c'est impressionnant. Mon téléphone que j'utilise, que j'utilisais pour les photos sur Instagram. Maintenant, je fais un peu plus avec l'appareil photo numérique que j'ai entre les mains. Mais sinon, c'était avec le Samsung A5 que je prenais les photos. D'ailleurs, si tu veux me suivre sur Instagram, c'est Netto75Billy et je mets plein de photos inutiles. Donc, c'est cool quand même. Le lien, il sera dans la description. Ensuite, on va passer en dessous les câbles. Là, j'ai un répartiteur, non, un switcher HDMI avec le boîtier Avermedia et une multiprise. Donc boîtier Avermedia pour enregistrer les gameplays. Ici j'ai mes haltères avec lequel je fais mon sport. La vidéo dont je vous parle depuis pas mal de temps, prendre du poids, arrive bientôt, vous inquiétez pas. Si vous la voulez rapidement, vous mettez 20 000 j'aime sur cette vidéo en une semaine. Et comme ça, si j'ai plus de 20 000 j'aime, eh ben, je pourrais me la péter et le montrer à mon chat, il sera trop content. Non, la vidéo arrivera bientôt avec mes haltères. Regardez, je vous montre quand même avec la petite lampe derrière la télé. Non, c'est pas des LED, c'est pas des néons. Mais c'est une petite lampe. Non, c'est une petite lampe, mais je trouve que ça rend bien quoi. Tu mets ça derrière une télé, derrière un écran, et ça fait une petite ambiance chaleureuse avec le grand tableau, ma fenêtre. Regarde, ouais, regarde. T'as vu, il fait beau aujourd'hui. Avec ici la lampe, quelques jeux que j'ai prévus. Non, celui-là je l'ai déjà fait, mais d'autres que j'ai prévu de faire. Donc là pour commencer, j'ai la PS4 Pro parce que avant j'avais la PS4 et Micromania avait fait une offre, il reprenait la PS4 200 €. Pour l'achat d'une PS4 Pro, et certains vont se dire, bah pourquoi t'as toujours la boîte de la PS4? Je leur avais demandé, est-ce qu'on doit ramener la boîte de la PS4? Ils m'ont fait, bah ça serait mieux, mais si vous l'avez pas, bah tant pis. Bah, du coup, moi j'ai ramené que la PS4 sans la boîte, parce que j'adore les boîtes. Et la boîte de la PS4 Pro, elle est juste là. On voit ou pas? Regarde. Si je te dis qu'elle est là, regarde, c'est la boîte de la PS4 Pro. Avant de vous montrer les autres consoles, une lampe pour m'éclairer davantage. J'en ai qu'une, normalement il en faut une de chaque côté, mais je m'en fous. PS4 Pro, comme je vous l'ai dit, la Xbox One Slim que Microsoft m'a envoyé, je les remercie encore une fois, en plus je leur avais vraiment rien demandé. Avec la belle manette blanche en dessous, nous avons la Xbox 360 avec, en ce moment, Shadow of the Colossus que je suis en train de vous faire, GTA 5. Là elle est pas branchée, la PS3 elle est branchée, bah bien sûr comme je vous l'ai dit, pour Shadow. En dessous on a des câbles, qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que c'est que ça. Donc c'est un airsoft à gaz, ce que j'aime bien, voilà, les billes. Et j'ai également un sniper et un fusil d'assaut. Mais ils sont pas dans cette pièce, voilà. Oh regarde, ça fait bien l'éclairage comme ça. Alors aujourd'hui, on va faire un tuto comment à 30 ans ne pas avoir de barbe. Non, c'est vrai que j'aime bien l'airsoft. J'en faisais pas mal à une époque, j'en fais un peu moins dernièrement. C'est pas parce que j'ai pas de barbe, ok, hein. Ils m'ont envoyé un cadeau pour Noël. Et il y avait ça dedans, donc je pense qu'on l'ouvrira à la fin de cette vidéo ensemble parce que je l'ai toujours pas ouvert. Et on va passer de l'autre côté maintenant. Arrête. Je me fais agresser par une lampe. Ah ouais, je vous ai pas montré la chaise, donc DX Racer, elle est vraiment bien. Elle commence à s'abîmer un peu sur les côtés. En même temps, ça fait peut-être 2-3 ans que je l'ai acheté. Et un tapis, super doux. Donc je vais pas rentrer dans tous les détails, mais je vais quand même expliquer 2-3 choses. Mon pied que j'utilise absolument jamais. Parce que quand je me filme pour les intros des vidéos, bah, j'utilise mon petit arbre à chat. Et je pose l'appareil photo numérique dessus. Ça c'est une bouteille d'eau, c'est super important. Parce que si t'en bois pas, bah tu meurs. Donc ça c'est un t-shirt d'Ubisoft, comme je vous l'ai dit, ils ont envoyé un pack. On commence par où? Par en haut? Par en bas? Ça c'est un collector qu'on m'a envoyé aussi, il faut le nourrir et il lui faut plein de câlins. Regardez-moi ce gros minou. Tu veux 20 000 j'aime hein, sur la vidéo? À plus tard. Ciao. Donc nous en étions où? Ah ouais, collector des Lego. Ce que Ubisoft m'a envoyé, encore une fois merci, je leur ai rien demandé du tout. La PS4 avec une Infamous, un autre bouquin. Retour vers le futur, moi j'ai pas besoin de dire ce que c'est, tout le monde sait ce que c'est. Un petit tableau, un chat. Ici il y a Cloud, mais quand j'ai cassé son épée il y a 2 semaines quand j'ai passé le ménage. La Xbox One, la Wii U, Zombie U, Wolfenstein, quelques figurines de Dragon Ball. Bon, celui-ci il manque ses jambes. Mortal Kombat, Life is Strange, donc ça c'était Square Enix qui m'avait envoyé ça. C'était vachement sympa. Une boîte avec une manette Microsoft où il y avait marqué Netto dessus. Les figurines, vous allez trouver ça bête, mais moi j'adore les figurines, mais j'adore aussi les boîtes. Donc j'adore les boîtes. Le petit bonhomme, des Lego Undercover, la manette. Ouais, je sais, je garde des boîtes qui servent pas à grand chose. Notre petit pote, ça va. C'était une montre que m'avait offert Medal of Honor, que m'avait offert hier. Ça c'est le pass pour avoir la démo de Final Fantasy XV. Un film que j'aime bien, Crow Zero. Le 3 il est vraiment pas terrible. Ça c'était le collector de Dragon Age. Collector de Far Cry avec un calendrier et d'autres trucs en dessous, mais qui sont secrets. Édition presse Battlefield 4, Assassin's Creed. La figurine de
de Far Cry 4 Dragon Quest Heroes, que je pense que je vais faire prochainement avec vous, même s'il y a pas mal de problèmes au niveau des droits, où les vidéos peuvent être bloquées à cause des musiques et des cinématiques. Notre petit pote, notre figurine de Tomb Raider, collector de Xenoblade. Voilà, c'est ça que j'utilise actuellement pour filmer et pour prendre des photos. Le collector de Mortal Kombat, ça c'est cool. C'est pour poser la PS3. Et tu mets les manettes derrière et tu peux les connecter, comme ça, ça les recharge. Je suis de retour un peu plus haut. La figurine de Titanfall. Une canette que je trouvais sympa. Boisson énergisante. Xenoblade Chronicles X. Pas besoin de les présenter. Mais elles sont belles les boîtes. Franchement, je les trouve magnifiques. C'est pour ça que je les ai même pas ouvertes. Une figurine de Sangoku que j'ai depuis que je suis vraiment tout petit. Je devais avoir 10 ans, je crois. Donc ça remonte à il y a 20 ans. Vous connaissez encore. Un collector de Final Fantasy. Et là, on va passer au jeu maintenant. Et un jeu, regardez. Attention. Faut y aller délicatement. Lost Odyssey, mec, et c'est pas n'importe quelle boîte. Une boîte japonaise. De tous les jeux 360 que j'ai vus, c'est rare qu'on ait eu des boîtes larges comme celle-ci. Je vous montre l'intérieur, il y a plein de DVD. Mais Lost Odyssey, un jeu avec une bande son qui... Une de mes bandes son préférées. Regardez, il est encore là. Lost Odyssey. Cette fois-ci, c'est la version qu'on connaît tous. Ouais, j'arrive plus à ranger, bordel de merde. Non, Lost Odyssey, une des meilleures OST que je connaisse. Donc après, mes jeux 360... PS4, Wii U, le manga Gangs, quelques jeux, films, jeux Xbox One, jeux PS3, un collector également qu'on m'a envoyé de No Man's Sky. Alors je l'avais sur PC, mais je les en remercie. Je vais vous montrer quand même, on a le jeu qui est là, et ensuite on a quelques illustrations. Et si on a quelques-uns de mes jeux PC, le reste est resté sur Paris. Une figurine Cartman avec la souris que vous avez vu. Un ancien casque que j'utilisais, mais il me faisait vachement mal au crâne. Ça, je sais même pas pourquoi j'ai gardé la boîte. C'est le truc qui maintient mon cap de souris. Ça, c'est un album photo. Un autre casque aussi que j'ai revendu. Et là, mon autre étagère avec beaucoup de jeux encore. Xbox 360. La boîte de la Xbox One Slim. Là, j'avais la signature de Vincent Parisi. Et là, on a fini la visite. Deux tableaux qui sont super beaux, de bonne qualité. Ils sont aimantés, ils sont un peu petits, je pensais que c'était un peu plus grand. Je les ai achetés, attends, sur quoi j'ai acheté ça? J'ai regardé, j'ai acheté ça sur le site Displate. Donc c'est un peu cher, mais la qualité est vraiment là. C'est vraiment pas pour leur faire de la pub, parce que tout ce que vous voyez... Enfin, comme je l'ai dit, j'ai reçu certaines choses de développeurs, éditeurs, parce que les collectors... Moi j'aime bien les boîtes classiques, c'est bête, mais j'aime bien les boîtes normales. Finalement, j'achète très peu de collectors, donc ce que vous voyez la plupart, c'est des éditeurs, des développeurs qui me les ont envoyés. Mais tout le reste, que ça soit clavier, souris, écran, chaise, je les ai achetés de moi-même. Mais LG, hein, si tu m'entends, je veux bien une télé OLED. Hein. Ou même Acer et Asus, là, vous faites des écrans 2K qui sont vachement bien. Hein. Allez, comme je vous l'avais dit, on va terminer en ouvrant ça. Respecte ma puissance. Bon, c'est vrai que j'aurais pu utiliser mon trépied derrière. Mais tant pis, j'ai commencé, maintenant je continue. Ceux qui connaissent la série savent très bien ce que c'est. Elle est là. Oh my god, c'est une boule. En tout cas, c'est une odeur vraiment bizarre. C'est le fragment d'Eden, mec, avec son socle. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Pas mal. Fallait mettre des piles et j'avais pas de piles, donc j'ai dû prendre celle de la fameuse télécommande. Enfin, j'allais en chercher tout à l'heure. T'es en train de me moquer du truc, mais ça rend plutôt pas mal. Hein. Attends, tu vois. Est-ce que t'es prêt? Est-ce que t'es prêt? Regarde! Non, ça rend bien, c'est cool. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo setup. Donc j'espère que ça vous aura plu. Moi, ça m'a amusé de la faire. Et puis voilà. Donc merci à tous. Et à bientôt tout le monde. Ciao!